Le scandale du prince Andrew entache la réputation de toute sa famille. Le père de Béatrice et Eugénie a été accusé de s'être impliqué dans les rôles de ses deux filles au sein de la couronne, exigeant que leurs conjoints respectifs, Eduardo Mappelli-Mosi, le futur mari de l'aînée, et Jack Brooksbank, l'époux de la cadette, se voient hériter de titres royaux. Des allégations formellement démenties par l'intéressé. Si est-il une pure invention, a réagi le duc d'York dans un communiqué cité par The Sun. Il n'y a aucune vérité dans cette histoire selon laquelle il pourrait y avoir une scission entre le prince de Galles et moi-même au sujet de la participation de mes filles en tant que membres de la famille royale. Mon souhait pour elles est qu'elles soient des femmes modernes, qui travaillent, tout en étant membres de la famille royale. Arrêtez de chercher à intimider la famille York, implore Sarah Ferguson. Sarah Ferguson, mère de Béatrice et Eugénie et ex-femme du prince Andrew, est également montée au créneau pour protéger ses enfants, à la tête d'un nouveau parrainage. Le duc d'York et moi-même ne pourraient être plus fiers de nos filles, a fait savoir celle que la presse surnomme Fergie. Ce sont deux femmes qui travaillent très dur pour leur carrière. Point, concentrons-nous plus sur cela et moins sur ces qu'en dira-t-on. Arrêtez de chercher à intimider la famille York, s'il vous plaît. Rappelons l'origine de tout ce grabuge, le tumulte provoqué par les liens entre le prince Andrew et le pédocriminel Jeffrey Epstein, qui s'est donné la mort en prison cet été, et les accusations d'abus sexuels. Dans la tourmente, le fils de la reine a voulu s'expliquer dans le cadre d'une interview diffusée sur la BBC, qui n'aura eu pour résultat que de l'enfoncer davantage dans le scandale. Pressé par Elisabeth II et son frère, le prince Charles, il s'est retiré de la vie publique.